Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire le circuit numéro 5, donc qui est proposé pas exactement par qui d'ailleurs, et sur un site internet d'Auvergne. Donc un circuit qui est balisé, qui fait environ 40 km. Alors, je suis pas encore au point de départ. Le point de départ, il est sur le parking du lac, là, je suis au lac d'Issoire, hein, comme bien souvent. Donc voilà, donc alors c'est un circuit que j'ai déjà fait une fois sans la caméra. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais emmené la caméra, mais j'avais oublié d'emmener la carte SD. Donc, l'avantage comme ça, ben, ça va être plus frais dans ma tête et je vais éviter les petits détours que j'ai fait la dernière fois. Alors, je suis avec le GPS. Hop, j'ai mon petit compteur Garmin où j'ai mis la trace GPX. Hop. Hop là. Là, c'est les JO en ce moment. Je regarde un petit peu. Aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé l'épreuve de BMX, comment on dit, Freak Live, ou je sais plus trop quoi, là où ils font des figures. Ah là là, les champions, ce qui est la médaille d'argent là. Oh, c'était impressionnant comment il envoyait son vélo dans tous les sens en l'air, là, des toupies et tout. Wow. Ça m'a vraiment impressionné. Hein. J'en suis loin. Ah, donc une belle journée encore, il y a un petit peu de vent par rapport à hier, mais ça va. Hier j'ai fait donc le circuit numéro 2, ce que j'avais jamais fait auparavant. Sympathique, mais un peu trop bitumé. Donc là, je sais que la première partie va être pas mal bitumée pendant, je dirais, les 5 premiers kilomètres. Par contre après, c'est que du chemin quoi, et des chemins bien sympathiques. Donc je vais faire comme hier, je vais filmer l'intégralité du parcours et je ferai des accélérés. Alors c'est un circuit qui fait donc 40 km, hier c'est un circuit qui faisait 20 km. Je vais voir au montage parce que là, la vidéo d'hier, je crois qu'elle fait dans les 3 quarts d'heure et il y avait beaucoup de bitume, là il y en a moins. Après je peux accélérer plus, hein, mais j'aime bien pas dépasser les 4. Ça dépend de comment je parle aussi, si je parle beaucoup ou pas. Hop, voilà, donc là, je suis bientôt au point de départ. Le point de départ en réalité, il est à l'entrée du camping. Et voilà. Et voilà, j'y suis. Donc là c'est pas mal de bitume, donc je vais pas dire grand chose, je vais faire un accéléré et je vous dis à tout à l'heure. Hein.
vous plaît. Bien. Pardon. pas de mal. Voilà. Alors là, je passe par le parc, je suis la trace GPS. Personnellement, j'aurais préféré aller à droite ou passer à la droite. Mais il me fait passer par là. Hop là. Il me fait passer par là. Donc j'aurais préféré arriver moi, de ce côté-là, du parc. Hein. Bon, c'est un petit détail. Hein. Si je refais le parcours, je passerai par là-bas. Par contre, je viens de réfléchir à un truc. Je me suis dit, je vais faire 40 km, enfin 60, le double d'hier. Donc je suis parti, il était un peu moins de 18 heures. Et j'ai pas calculé, c'est 80 hein, que je vais faire. Et le truc, là, il est maintenant 18h30 bientôt. Et ça va peut-être ça va me faire rentrer un peu tard. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pour ma femme. Quoi. Oh, je pense qu'elle me dira rien. J'ai dormi cet après-midi. Et dis donc, j'ai dit, je suis rentré du marché. J'ai très mal dormi dans la nuit dernière. D'ailleurs, j'ai fait le montage de la vue du circuit numéro 2. Il devait être 2h du matin, un truc comme ça. Et du coup, là, je suis rentré, je suis tombé, je suis regardé un peu la télé. Et alors là, il me fait passer par là. Par là. Et là, un truc que j'aime pas du tout, c'est ici, là. Ah, je vais mettre le turbo parce que là faut pas s'arrêter. Hein. Alors le feu vert, parfait. Hop, on revient en écho. Donc j'aime pas être à l'arrêt dans une montée. Pas évident de repartir sur une montée comme ça. Quoi. Donc voilà, donc je disais que j'ai bien dormi. Puis j'ai envie de faire un peu de vélo. Bon, j'en ai tout le temps envie, mais alors là. Petite mauvaise nouvelle du jour, on a notre portail sectionnel qui est en panne. Et le devis de la réparation, on en a pour en tout on en a pour 540 €. Quoi. Je trouve ça hallucinant. Voilà, mais bon on va le faire, on n'a pas trop le choix. Et là c'est pas mal de bitume. Allez, je suis reparti pour un accéléré. Et voilà, à partir de maintenant, ça va être beaucoup de chemin. Ça me saoule, j'ai ma caméra qui va un peu à droite. Pas très grave, mais bon, j'aime bien quand c'est en face.
Et tout à l'heure, je vais être sur les hauteurs là-haut, là. Pour le retour. Ah, je pense que je vais rentrer chez moi vers 21h. Un petit même à 21h30 peut-être même. Un petit peu chaud quand même. Bon là j'appuie un peu plus sur les pédales que d'habitude là. D'habitude, comme je dis, je fais plutôt de l'activité physique que de l'activité sportive. Là je suis un petit peu en sport. J'appuie un peu plus que d'habitude. Afin de ne pas arriver trop tard. Ah, j'ai encore du mal avec la caméra à la régler. Là, c'est bien boisé. Avec les températures actuelles, c'est agréable. Oula, heureusement que j'avais le casque. Le casque, je veux dire, en VTT, il sert pas uniquement en cas de chute. Hein. Moi, il me sert plutôt à me protéger des branches des arbres. Hein. D'ailleurs, à ma connaissance, jamais après une chute, je suis tombé sur la tête. Hein. Jamais ma tête a touché. Alors par contre, des branches, hein, j'en ai pris pas mal. Hein. Un peu gadouilleux là. Voilà. Malgré la canicule, il y a de la boue par moment. Là, ici il y a une belle petite cour d'eau là, c'est la Couze. Très sympa. Là c'est vraiment un coin sympathique là, ombragé. Bon, maintenant la température va commencer à bien descendre. Là, ici, il y a une petite décharge. Ah. Hop là, regardez-moi ça un peu. Là, c'est des sentiers qui roulent pas mal sur ce circuit-là. Bon, il y a des moments un peu délicats, mais en règle générale, ça va. Hein.
Et voilà, on reprend un peu de bitume, mais ça ne dure pas trop longtemps. Eh ben non, sacrée tondeuse, hein. Allez, non. À la vitesse. Hop, on va par là. Ah là, il y a un petit passage sympathique là. Allez, va. Hop là, voilà, il est bas le niveau. Hop, je suis déjà passé avec le niveau beaucoup plus haut. Une fois, je me souviens, la première fois que je suis passé là, il y avait quelqu'un, une fille en vélo, elle attendait en face, elle était en train de réfléchir, j'y vais pas. Et moi, j'ai été direct sans m'arrêter. Et je suis passé, si je vous dis, il y a pas longtemps, la semaine dernière, il était déjà bien plus haut, hein, le petit niveau là. Là, j'ai pas eu à lever les jambes. La dernière fois, j'avais levé les jambes, je crois. Hop là. Et il est gentil, il avait son chien qui courait à côté de sa voiture, il s'est arrêté et fait rentrer le chien dans sa voiture. Et les agriculteurs, c'est une grosse période pour eux. Hein. On les voit, les tracteurs partout. Moissonneuse-batteuse. On continue tranquillement. Là, je roule beaucoup en éco, parce que malgré tout, il y a environ 80 km à faire aujourd'hui. Et donc, il faut faire attention. Bon, je sais que je peux le faire, parce que je l'ai fait, quand je te dis, déjà. Et en plus, quand je l'ai fait la dernière fois, j'avais une petite course à faire avant. Il me semble que j'avais fait un petit truc à Issoir. Bon, quelques kilomètres de plus, mais pas non plus. J'avais dû faire 3-4 km de plus. Voilà, là j'arrive à Meillo. Ah bah, je viens demain, là. Tiens, c'est marrant. Demain, je viens ici, mais pour un barbecue. Bon là, je vais vous montrer la trace GPX, elle fait faire un truc un peu bête quand même. Je peux le faire quand même, hein. C'est vrai que c'est un peu plus sympathique, mais pour faire...
On passe là. On passe sur le beau petit pont. Ancien pont. Hop. Pour reprendre aussitôt la route.
Hop là. Et voilà. Oh, j'en ai pas fait la moitié, mais ça avance. Ouh. Ah, je parle pas beaucoup, je me rends compte. C'est que... Bah, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà, ça roule peinard, tranquille. Après, c'est vrai que c'est surtout la vidéo du circuit que je fais. Donc c'est marrant, je parlais même plus hier alors que la sortie était moins belle, j'ai trouvé. Après, je vais fractionner et faire des... Certainement des ralentis, des plus ou moins vite accélérés, plus ou moins rapides. Après, si vous regardez pas la vidéo, pas vous en vouloir. Mais je me dis, ça peut intéresser quelqu'un qui veut voir à quoi s'attendre. Celui qui vient en vacances et qui a envie de voir les différents randonnées à faire, circuits. Oh, qu'est-ce qui couine mon vélo, c'est une horreur. On dirait un oiseau. Je pense que vous devez l'entendre. Et j'ai complètement oublié de regarder. Quand j'arrive chez moi, j'oublie tout le temps les problèmes en général. Oui, j'ai quand même pensé à relever un peu ma selle, à changer un peu le réglage, je me trouvais un peu trop en arrière. Voilà, là je tourne bientôt à droite. Après le retour, il sera un peu plus rapide parce que c'est... Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais mettre... Je tourne le volant, le guidon à gauche. Voilà d'où je viens. Je viens de là-bas. Le petit village, j'ai des meillots là-bas, je crois que c'est celui-là. Oui, je suis aux ondes demain. Voilà, ça roule bien, ça c'est agréable. Hop, allez, maintenant on va aller par là, je vais passer en tour. Donc, je vous dis, je fais attention à la batterie. Le petit inconvénient de ce parcours. Là, j'étais pas mal en tour. Mais bon, là il m'annonce 29 km d'autonomie, mais je sais très bien que une fois que ça va, que je vais avoir atteint le point culminant, ça va vite remonter dans les descentes. Hein. Ah, ça monte là. Ça monte, mais c'est bien sympathique. Hein. Franchement, le paysage est beau là.
Voilà, un petit panneau, toujours santé numéro 5. Le balisage est plutôt pas trop mal là. Et là, il y a un sentier là tout droit qui a l'air d'être sympathique. Moi, je dois aller par là. Voilà, là, il y a des ornières. Là, il y a des ornières vraiment pas terribles. Hein. Des pierres. Il vaut mieux être dans le sens de la descente là que de la montée. Hop là, ça dure pas longtemps, c'est l'avantage. Hop là. Alors là, faut aller par là. Hop là. Et je fais attention à ne pas tomber. Hein. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ceux qui ne l'ont pas vu, je pars bientôt en Corée. C'est dommage, dans un mois, un peu plus d'un mois. C'est dommage de faire une grosse gamelle où je me casserais quelque chose qui pourrait remettre en question mon voyage qui coûte assez cher. Après, oui, à ma femme, je la pousserai quand même à y aller. Hein. Si, admettons que moi, je peux pas y aller, je dis, toi, tu vas quand même, tu verras avec la copine. Elle sera bien contente quand même. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Hop là, ah, c'est sympa en face. Hein. Ah, tout le sentier, il est horrible. To be in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Alors là, je me demande si j'ai pas Montaigu le Blanc. Ah là, c'est un beau petit village, ça. Ah, j'ai vu quelqu'un où j'ai fait le plein d'eau ici. La semaine dernière, effectivement, là, j'ai quasiment plus d'eau, mais bon. Je l'avais vu dans son jardin. Il faudrait vraiment que je trouve de l'eau. Si je retrouve quelqu'un dans la rue, je lui demande.
très sympathique. Là, c'était là, à gauche. Hop là, à droite. Ah, un cheval devant va ralentir, pas faire peur. Bonjour. Non, il semble que je les ai croisés la dernière fois. Ah, ma femme m'envoie un message, son tracker il est bloqué à Parentigna là, elle s'inquiète. Bon, je l'ai au téléphone tout à l'heure, j'ai dit j'ai mal calculé, quand je suis parti je m'attendais à faire 60 km de randonnée, mais j'ai oublié 20 bornes, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de 20 bornes. Bon, ouais. La dernière fois, pourquoi je dis 20 bornes? Non, ça va aller. Hein. Là je pense que j'ai atteint le point le plus éloigné de chez moi. Et maintenant, je suis sur le chemin du retour. Bien sûr, c'est pas un chemin direct. Ouais, mon GPS est uniquement en mode... Mon compteur, je l'ai mis uniquement sur le mode GPS. Là, je vais me mettre sur les données. Donc, j'ai fait 34 km. Il m'en reste moins de 50 pour rentrer, c'est pas 80 que je vais faire. Non, non, c'est moi qui me suis planté, c'est 70 normalement. On verra. Ah, c'est un sentier que j'apprécie, ça. Bien roulant. Des petits cailloux, pas bien méchants. Je me demande s'il n'y a pas un point d'eau là peut-être. Truc si ça service. C'est payant ça. Jetons. Non, là c'est pour vider. Des fois il y a des coins pour camping-car où l'eau est gratuite. Hein. Là en bas c'est une borne électrique. Hop. Bon bah c'est pas grave, on va continuer. Là il y a un truc que j'aime bien dans le vélo de ma femme, c'est que je peux prendre un bidon de 750 ml. Et dans le mien, je peux pas. Avec le cadre, je peux prendre que le 500 ml. Ouais, il faudrait que je regarde parce que j'ai deux endroits pour mettre le porte-bidon.
Mais il y en a un, il est vraiment plus accessible parce qu'il est dur à prendre, parce qu'il se retrouve, mais je pourrais peut-être quand même en emmener un. Alors, on verra. Alors là, je vais vous montrer un truc là. Là, c'est rigolo. Et normalement, vous voyez, là ici, là il y a une flèche, mais là, vous voyez, là il y a. Ils disent que c'est par là, il y a le truc numéro 5. Mais je pense que ça a été modifié. Bon, je l'ai fait la dernière fois, je vais vous le montrer parce que. Oula. C'est dommage que c'est bloqué. Je pense qu'ils n'aiment pas parce qu'on n'est pas loin du petit ravin là. Il n'est pas méchant, mais. Et puis là, c'est des parties un peu délicates. Mais je trouve ça vraiment sympa et donc je pense qu'ils ont modifié le parcours. Moi j'ai encore la trace de l'ancien, ils ont oublié d'enlever le panneau là. Parce que vous allez voir, il y a une difficulté. Et là, il ne faut pas que. Je ne sais pas si ça va rendre à la GoPro, mais si je vais trop à gauche, je fais une chute de 2-3 mètres par endroit. Et là, ça monte grave. On va mettre le turbo là. Hop là. Allez. Voilà, j'ai pas mis le pied à terre, c'est le principal. Là, c'est vraiment sympa là. Vous allez voir, bientôt, il va y avoir un problème. Et voilà le problème. Regardez. Hop là. Allez, là. Et bien le passage. La dernière fois, je me suis demandé comment faire. Alors, vous voyez, là, chez le feu. C'est dommage, vraiment dommage. C'est parce que j'aime beaucoup passer par là. De l'autre côté, c'est beaucoup moins sympa. Alors, je vais faire comme la dernière fois. On va passer en dessous. Mais c'est vraiment pas évident, hein, je vous le dis. Hop. Alors, j'ai réussi la dernière fois. Voilà. Je suis presque passé. Hop. Et voilà. Ouh. Du sport, profiter pour boire la dernière gorgée qui me reste à boire. Ah, c'est vraiment une gorgée. Hop. Alors, je pense que le prochain coup, je passerai quand même par la route de droite là, mais j'aime bien le petit passage là. C'est vraiment beau par là, je trouve. Pas évident. Hein. La pédale qui touche. Là, il y avait encore le petit panneau pour dire sentier numéro 5, mais il est en mauvais état. Ah, je me suis fait griffer les mains. J'ai oublié mes gants. Oula, aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis fait accrocher le bras là. Ah bien. Ah. Ah, j'ai oublié mes gants chez mon père. Parce que mon père a déménagé à Royat maintenant. Donc... Oh là là, j'ai même le bras en sang. Là. Un peu en sang. Ah ouais, je me suis bien dégratté. Oh la vache. Oh là là, je vais vous montrer. C'est pas une petite égratignure que je me suis fait. Oh la vache. Enfin, que je mette au moins de l'eau. Dès que je me suis sorti de ce bourbier. Aïe, 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 j'ai voulu. Je sais pas si je vais pouvoir repartir. Il y avait une grosse pierre à gauche. Je me dis, je peux pas continuer à pédaler, sinon ma pédale va se le prendre.
C'est bon, j'arrive à repartir. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ouh. Je vais vous montrer. Regardez. C'est bien accroché là. Et puis là, voilà, c'est moins grave. Une écharpe. Là. Ah la vache. Là, mes gommes ne me restaient rien. C'est dit. Ah là, je me suis vraiment bien accroché. Ah, j'ai plein de petites épines dans la main, là, dans mes doigts. Il faudrait vraiment que je trouve un robinet. Oh la vache. Allez. Et voilà. Pourtant c'est encore bien indiqué, mais je pense que je vais arriver de la droite. Là je suis à Champey. Ah, une fontaine. Super. Il n'y a pas écrit eau non potable et tout ça, mais je vais pouvoir surtout me passer un peu de l'eau sur les mains, tout ça là. Oh le débit. Il n'est pas bien élevé. Voilà, c'est pas méchant, hein, les petites égratignures. Au moins, je vais pouvoir prendre de l'eau aussi. Dans un quart d'heure, mon petit dodo, il va être rempli. Il faut être rogue. Et voilà. Allez. Le plein est fait. Alors maintenant, il faut que j'aille par là. Alors il est 20h. L'idéal, ça serait d'arriver. Enfin, l'idéal, ça aurait été 8h30, hein, je parle pour ma femme. Hein. Mais pour moi, si j'arrive déjà à 21h, je serais déjà bien content. Mais je pense que ça va être dur. Mais bon, là, maintenant, c'est le chemin du retour. Hein. Alors ça c'est marrant, voyez, moi mon GPS me dit de tourner à droite et le numéro 5 là il est tout droit. Bon allez, on va suivre le... On va aller par là, on va suivre le parcours officiel. Je pense que la trace, il faudrait vraiment qu'ils mettent... Les traces GPX à jour. Hein.
Une belle vue là. C'est beau l'Auvergne, hein ? Enfin, il pleut pas. Voilà, me voilà sardine. Donc là, c'est la vraiment dernière montée jusqu'au plateau là de Perrier, en hauteur là. Et après, ça sera quasiment que de la descente. Hein. Voilà, la petite montée pour arriver chez moi, quoi, mais ça va aller. Oh là, qu'est-ce qui me saoule de grincer comme ça le vélo. Hein. Faut vraiment que je m'en occupe. Hein. Et si c'est la fourche, je pourrais pas faire grand-chose. S'il faut la démonter, je connais rien. Et là, je vais vous montrer un petit truc rigolo. Hein. Vous voyez, il y a un sens interdit, donc je suis obligé d'aller à droite. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Mais je vois qu'il y a le petit panneau vélo, le numéro 5, tout droit. Donc, normalement, il devrait avoir marqué « Sauf cycliste ». Voilà, sinon, j'arrivais de ce côté-là. C'est pas vraiment un détour, hein. Il est bien rouge mon bras. Alors là ça va monter fort, c'est la plus haute, enfin c'est vraiment la dernière difficulté là. Je me lance fort, ça dure pas trop longtemps, mais le pourcentage il est assez sévère. Et après ça, ça sera tranquille là. Et voilà, maintenant, profiter de la vue. Je suis venu ici en hiver. C'est une vidéo que j'ai faite pas très longtemps, enfin cet hiver, hein, et qui s'appelle de mémoire « C'est beau l'hiver » tout simplement. Et j'étais là-dessus, là, en haut. Ah, fait du bien, un peu de silence. Hein. C'est marrant parce que quand je regarde, quand je pédale pas, j'ai quand même le bruit, mais il est quand même plus présent quand je pédale. Il y a des cours de yoga là. Tiens, je suis passé, finalement ça fait pas une semaine que je suis passé là tout simplement et qu'ils se réunissent pas tous les jeudis soirs. On va remettre le GPS, allez hop.
Ah, c'est vraiment beau là. Là, il fait bon. Bon, c'est meilleur qu'hier. Hein. Hier, c'était vraiment la canicule. Là, on a perdu quand même pas mal de degrés. Allez, c'est une vue très belle à 180 degrés, quoi. Parce que je vois pas même un peu plus. Hein, si je... Ils ont 180 facilement hein, quand on est avec le vélo. Et si on est à pied, c'est un peu plus que 180. Hein. Là-bas, je vois Nonette. Pas Nonette, je raconte. Huisson. Donc, moi, j'habite derrière. Je pense que c'est Huisson. Des fois, je me mélange un peu. Et je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si, si, c'est ça. C'est bien Huisson. Ah oui, là, hop là, par là, vous voyez là, là il n'y a aucune indication du parcours. Et heureusement que j'ai le GPS là, là il n'y a rien, hein, vous voyez. Là ici, sans GPS, on est perdu. Et c'est par là. Thank you.
Bon, par contre, je me suis pris encore une petite brosse dans le tibia, là, ça m'a bien griffé. Après, je suis pas sûr que le chemin officiel, il y a longtemps que j'ai pas vu de panneau numéro 5 là. Mais bon, par là c'est très sympa aussi. Hop là! Et voilà, ah là, la lumière est très belle à ça. Coucou les vaches! Bah, je suis bientôt à Issoire. Alors là, on est dans les hauteurs d'Issoire. Il y a des maisons qui sont magnifiques ici. Je pense que c'est le quartier le plus chic d'Issoire. Il y a vraiment des maisons d'architectes là. Elles sont vraiment belles. Regardez ça un peu. Bon ben voilà, je suis content parce qu'il est 21h moins 20. Donc je devrais être chez moi vers 21h15. Donc ça va. Ah, pour moi ça va, pour ma femme je pense que ça va aller. Mais...
Il y a longtemps que j'ai pas vu de... Vous voyez le fessage numéro 5 là. Et voilà, bah là on reprend le même chemin qu'à l'aller. Du coup, je vais pas aller jusqu'au lac. Je vais écourter un petit peu, ça va me faire gagner quelques minutes pour le retour. Attends, je me méfie tout le temps quand il y a des chiens. Beaucoup n'aiment pas les vélos, ceux-là ils n'ont rien dit. J'ai fait combien 52 km, je crois que j'ai pu voir. Je vérifie 52 km actuellement. J'en ai encore une dizaine pour arriver chez moi. Donc à faire environ 64 km aujourd'hui. Voilà. Donc normalement là j'aurais dû aller tout droit. Mais moi je vais aller à droite, retour à la maison. Pourtant il me reste quand même pas mal de batterie là maintenant, 3 bars, 51 km. Parce que là quand là j'avoue que maintenant quand je suis là, je connais la route tellement par cœur que j'ai plus vraiment de plaisir à cet endroit là. Bon là c'est encore sympathique mais bientôt ça va être pas mal de route, donc c'est turbo. Et plus vite j'arrive mieux c'est. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que personnellement, je trouve pas qu'elle ait un très grand intérêt. C'est énormément d'accélérer. C'est vraiment pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble ce parcours, ce circuit. Mais après, j'avoue que c'est pas bien passionnant. Non. Hop, merci. Voilà. Là, on passe sous la 75. Voilà, une belle balade. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Hein. Je pense, dans la vidéo, quand je vous ai dit, je pensais qu'elle va être top, mais bon, je vais la faire quand même. Et puis après, hein, c'est comme à la télé. Hein. Si vous plaît pas, on change. Hein. J'en voudrais à personne de pas la regarder. Hein. Allez, je vous dis à bientôt.